beaucoup de gens me demandaient, mais finalement, vous parlez ou tu parles de différence entre les sectes, mais qu'est-ce que c'est ? Une tendance disait, c'est purement et simplement de la biologie. Une autre tendance disait, c'est purement et simplement du stéréotype social ou culturel. Ça, c'est plutôt la tendance Simone de Beauvoir, par exemple. Et moi, je disais, non, c'est pas ça, mais je ne savais pas dire pourquoi c'était pas ça. Alors j'ai fait énormément d'enquêtes auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, à travers le langage. Et j'ai compris là que la différence entre les deux est avant tout une différence, relationnelle, une façon différente d'entrer en relation. Quand vous naissez avec un corps féminin, ce corps féminin a un potentiel relationnel qui est tout à fait différent de celui de l'homme. Alors, exemple, c'est pas la même chose de faire un enfant en soi-même ou de le faire hors de soi. C'est pas la même chose de faire l'amour en soi ou de le faire hors de soi. Je vais vous donner un exemple. Si je donne un groupe de petits-enfants, mais aussi d'adolescents ou d'adultes, à composer une phrase avec le mot « avec ». Le petit garçon va me faire une phrase, ou l'homme, va me faire une phrase du genre « j'ai écrit la phrase avec un crayon » ou « je suis venu à l'école avec mon vélo ». Une petite fille va faire une phrase du genre je sortirai ce soir avec mon petit ami ou je vivrai toujours avec toi. Donc, vous voyez, le garçon va privilégier le rapport je, mes objets, les objets, mes objets, et la petite fille, je et une autre personne. Le garçon va aussi privilégier, si par hasard il a un rapport, il parle d'un rapport avec d'autres, mettons si je donne à faire une phrase avec le mot « ensemble », là, le garçon est presque obligé de mettre d'autres personnes. Eh ben, il va se mettre, lui, au milieu d'un groupe de garçons. Je joue au foot ensemble avec mes copains, ou je sors ensemble avec mes copains, quitte à faire une phrase un peu agrammaticale. La fille, donc, il va préférer le même sexe et un dans un groupe. La fille va préférer l'autre sexe et deux. C'est pas le même monde. Alors, à mon avis, il y en a encore beaucoup. Mais je vais essayer de faire simple et d'en citer trois. Il reste des problèmes, même en France, autour de la question de l'avortement. C'est-à-dire, être enceinte, avoir un bébé en soi-même, fait partie de l'identité de la femme, mais en fait, le bébé appartient plutôt à l'État qu'à la femme. Donc il y a une régulation sur les naissances qui fait que la femme n'a pas le droit vraiment, n'est pas vraiment libre vis-à-vis de son corps. Donc le droit d'abord évidemment à la contraception et puis à l'avortement quand il y a un bébé qui convient pas, qui n'est pas désiré, qui n'est pas fait par un couple, qui va rester un peu ensemble, etc. Deuxième problème, je dirais qu'il n'y a pas encore, on parle beaucoup d'égalité de façon très ambiguë à mon avis, et qui peut piéger la femme et aussi l'homme, mais l'égalité est pertinente au niveau du salaire. Or, on n'a pas encore l'égalité de salaire pour l'égalité du travail. Ça, c'est un point sur lequel les partisans de l'égalité, à mon avis, n'insistent pas assez. Et un troisième point, c'est que je trouve très très important et dont on parle presque pas, c'est le problème de l'accès à la culture. La culture aujourd'hui en vigueur est une culture masculine. Donc la femme
ne reçoit pas une culture qui convient à son identité, ce qui ne la rend pas, je dirais, adulte. Elle reste soumise à une culture masculine, et le maximum pour certaines féministes serait devenir égale à un homme. Bon, je crois que c'est la pire chose qu'on puisse demander à une femme, parce que c'est renoncer à son identité. J'ai un peu peur que ce soit un peu démagogique. Si on met autant de femmes que d'hommes pour renforcer une culture en masculin, après tout, il vaut mieux laisser pas trop de femmes qui ont le droit de s'opposer à une culture en masculin. Si vous n'avez pas une culture au féminin, c'est-à-dire une double culture, une culture en masculin, une culture au féminin, il y a peu de femmes qui ont déjà la culture nécessaire pour des postes de haut niveau. Ça commence. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, les femmes n'ont même pas été à l'école, et qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'elles vont à l'université, et que c'est pas du tout qu'elles n'ont pas le potentiel, au contraire. Je crois qu'elles sont... Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants, et les petites filles sont beaucoup plus évoluées que les petits garçons. Mais la culture ne sert pas ce qu'elles sont, donc finalement, elles n'obtiennent pas le niveau qu'elles sont tout à fait capables d'obtenir. Permettre aux femmes d'accéder à la culture, à une culture qui leur convient, et à des postes importants, notamment culturellement, ça n'existe pas encore. Ça demande une évolution des mentalités. C'est pas la démagogie du jour au lendemain, je mets autant de femmes et autant d'hommes. Non, ça suffit pas, vraiment pas. Si elle a eu la possibilité de rester une femme, de se cultiver comme femme et de promouvoir des valeurs féminines, y compris dans de bonnes relations avec l'homme, c'est-à-dire des valeurs de différence et de coexistence et de partage dans la différence, oui, je le souhaite vivement. Selon moi, les femmes ont beaucoup plus, par identité, le respect de la vie, que ce soit la vie elle-même ou que ce soit le milieu, l'ambiance de vie. Or, regardez aujourd'hui l'importance on commence enfin à s'intéresser à l'écologie, avec plein de contradictions, parce que, bon, on s'intéresse à l'écologie jusqu'au moment où ça ne vous empêche pas de faire de l'argent, par exemple. Je crois qu'une des valeurs que les femmes, la majorité des femmes, pourraient promouvoir, c'est ça, le respect de la vie et le respect de l'environnement qui permet la vie. Un deuxième point, je veux dire, on parle beaucoup aujourd'hui d'hospitalité. Je pense que d'abord la culture de l'hospitalité, à l'origine, c'était une culture féminine. Et c'était une hospitalité pas comme aujourd'hui, on devrait être généreux, plein de moralité, donner l'hospitalité aux pauvres, à l'étranger, etc. Non, au début, l'idée de l'hospitalité était beaucoup plus belle, c'était tous les êtres humains se doivent une hospitalité réciproque. Et je trouverais ça fantastique. Je vais dans votre pays, vous me donnez l'hospitalité, vous venez dans le mien, je vous donne l'hospitalité. Donc les valeurs d'hospitalité non hiérarchiques, non liées à l'argent, je pense que les femmes pourraient apporter beaucoup. Les valeurs de proximité, je pense que la femme qui traditionnellement a été, hélas, enfermée dans la maison, est plus capable de promouvoir des valeurs, pas de proximité à formelle, spatiale, mais je dirais des valeurs d'intimité. Et aujourd'hui, on en a besoin pour passer d'une culture à l'autre, pour faire de l'interculturel. On a besoin de découvrir ce que c'est que l'intimité humaine. Si vous écoutez les discours politiques les plus progressistes aujourd'hui, c'est des valeurs que vous allez entendre. Et à mon avis, il serait bien qu'elles sortent de la maison et qu'elles
que ces valeurs soient portées par les par celles qui pour lesquelles elles sont les plus évidentes, les plus, j'ai envie de dire, naturelles, même si elles ont besoin de culture, évidemment.